Alors, on va voir c'est quoi un appel système Linux et comment on peut. Ça a été implémenté dans le langage C. Donc, ce qu'il raconte dans le livre. Donc, voilà. L'idée, c'est de. Donc, dans l'include. Ok. Faire un include. Système syscall.h, ok. Et du coup, si on appelle syscall, voilà. D'accord, ok. Donc, on va écrire un petit programme qui donne le PID là. Donc si on veut le PID, on va faire un PS et voilà, donc là PSA, non, PSL, ok. Donc le PID il est là, donc là, donc le bash son PID c'est 16 955 et PS son PID c'est 17 690 et PPID c'est le PID du processus PA. Donc PS c'est le processus suisse de bash. Bon, ça c'est ça. Alors parfait. On prend le truc gpid.c. Voilà, donc là, comment on va faire? Alors, on écrit notre petit programme C, on fait un petit include. Voilà. Uni std.h. Okay. Enfin, un deuxième include dans ce qu'on avait vu là, 6 call.h. Ok, après, on fait un troisième include. Donc, 6 types.h. Ouais, donc ça, c'est pour un. Pour l'exemple, hein. Quatrième include. Stdio.h. Ok. Donc voilà. On envoie le main. Inrdc. Chargé. Hop. Petit pointeur sur le truc. Et hop. Donc voilà, donc l'idée voilà, c'est PID T. Donc my PID, ok. Voilà, donc le chip c'est ça. Donc my PID il va prendre enfin syscall. Voilà, 6 get PID, voilà, hop, voilà. Printf. L'appel, hop. Donc, il faut mettre LD, done. PID, hop. Alors, pourcentage. LD, ok, hop. Premier, donc c'est 6 get PID. Deuxième, my PID, ok. Faire return 0 pour dire que ça s'est bien passé. Ok. Ok. Alors, on va voir ce que ça va donner.
PID.c, hop, et l'exécutable donne ça en GPID. Ok, ça marche, hop, et là, je fais GPID. Donc l'appel 39 donne le PID 17742. Voilà, donc ça c'était un exemple de comment on va comment on peut utiliser langage C pour faire de la programmation système et sous Linux. Voilà.